be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. When I see Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que votre week-end du 14 juillet s'est très très bien passé et c'est fait d'artifice et tout, c'est bien passé comme vous allez voir tout à l'heure, je suis allé voir un fait d'artifice qui était extraordinaire, franchement qu'il était, bon c'est peut-être pas le meilleur que j'ai vu mais bon j'en avais vu un autre dans des fêtes de fin d'année. Mais c'était pas le plus meilleur, c'était un peu basique. Quand je dis basique, c'est parce qu'en fait, je l'ai pris, mais bon, je n'étais pas vraiment dans le feu d'artifice. C'était un basique que j'ai pris dans une de mes vidéos que vous avez dû voir, qui a longtemps que j'avais fait le réveillon, que j'avais fait. En fait, j'avais pris un feu d'artifice qui était pris, on va dire, dans. Je sais même plus comment je l'ai pris dans la télé, un truc comme ça, enfin, genre, c'était un basique, mais qui était bien, mais dans la télé. Et que ça se voyait pas dans la vidéo, tu vois. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce fait d'artifice que je suis allé voir, qui était bien, qui était très bien. Et aussi les circonstances que je suis allé voir le fait d'artifice. Comme vous le savez très bien, en ce moment, on est toujours en période d'épidémie. Et évidemment, on est toujours en période d'épidémie. Et ce que je voulais, en fait, voir de mes propres yeux, puisque j'ai entendu la polémique de Nice, genre à Nice, ils font la fête sans masque et tout. Un million de personnes, on va dire, je dis un million, je sais pas si c'était pas 5000 personnes, c'est un peu moins, je dis 2 millions, mais bon, j'ai pas fait attention aux chiffres des gens qui étaient à Nice et qui avaient fait la fête sans masque. Et j'ai vu effectivement dans ce feu d'artifice, avant le feu d'artifice, que les gens vraiment. C'est génial, moi je dis on est en période d'épidémie. Franchement c'est génial, on est en période d'épidémie et personne n'a le masque. Il y a quelques personnes qui ont le masque et vraiment pratiquement personne n'a le masque. Donc ça m'a choqué et même moi que je mets le masque on m'insulte carrément. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai pas filmé tous les gens qui avaient. De toute façon c'était pas la cause de ma vidéo, moi je voulais filmer juste le feu d'artifice que vous allez voir qui va mettre un peu de temps. Et j'ai vu que je me suis fait insulter parce que j'avais un masque. J'ai dit, j'ai un masque. Si les gens ne mettent pas de masque, c'est leur problème. Chacun est libre à faire attention à sa santé, à faire attention à soi-même ou à son entourage, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne suis pas là pour juger les gens. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'avais le masque. Et puis, j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient le masque et que, voilà. Mais il y avait plus de personnes qui n'avaient pas le masque que des gens qui avaient le masque. Et j'ai vu un feu d'artifice qui était pas mal, il était très bien comme vous allez voir dans la vidéo pour finir. Et j'étais choqué de voir tout le monde qui a pas de masque. Le monde qui n'avait pas de masque, je ne sais pas si c'était pas 100 personnes ou voire plus de 100 personnes, je pense, qui n'avaient pas de masque. Mais j'étais choqué. C'était comme un jour normal, comme s'il n'y avait pas eu de virus, pas d'épidémie, rien du tout. Alors qu'en ce moment, quand il y a du monde, on met des masques. Comme vous le savez bien, vous-même, vous le savez mieux que moi, quand il y a beaucoup de monde, on met un masque pour se protéger, on ne sait jamais. Même si là, il n'y avait pas d'épidémie, par protection, il faut se couvrir quand même, c'est normal. Et puis j'ai vu ça, j'étais choqué. Comme j'ai vu la polémique à Nice, c'est pas que à Nice, c'est dans tout le monde, c'est pareil. Que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays, c'est pareil, dans la terre elle est ronde. Donc c'est pas tout le monde qui obéit, par exemple, aux ordres ou bien à la logique des choses. Tout le monde ne fait pas ce qu'il faut faire pour se protéger, c'est pas tout. Donc moi j'ai vu la polémique de Nice, mais quand je vois la polémique de Nice, c'est pas que Nice. Hein. C'est de partout pareil, hein. C'est comme ça, partout c'est pareil. Et bon, après moi j'étais choqué, je pensais pas que j'allais voir autant de personnes sans le masque. Alors qu'aujourd'hui, là où je vous parle, le virus il est là. En plus j'ai regardé tout à l'heure là, juste maintenant, j'ai vu qu'on est à 30 000 morts et 29 et plus 18 morts encore en plus. Je pense que ça va monter vers les 30 000 40, 30 000 50, 30 000 100, mais quelques, ça va monter. Hein. Moi je pense pas que ça va rester comme ça et ça continue à monter. Même si ça monte, c'est vrai que ça monte doucement. Là ça s'est calmé par rapport à ces derniers temps.
mais ils disent que le mois d'août ou septembre, je ne sais pas, que l'épidémie va commencer à remonter en puissance et les gens, normal, ils ne mettent pas de masque. Moi, je ne fais pas de la prévention ou quoi, j'ai juste à dire que faites ce que vous voulez les gens. Si vous voulez mettre le masque, vous mettez le masque, ce n'est pas un problème. Si vous ne mettez pas le masque, ne mettez pas de masque. Mais si, par malheur, je ne vous porte pas la poisse, mais par un malheur, vous croisez quelqu'un qui a le virus sans rendre compte de lui-même, la personne qui a le virus et qui vous croise, et qu'à un moment donné, vous vous sentez mal et tout, et vous ne savez pas que vous avez croisé une personne qui a le virus, et que vous voyez que vous n'êtes pas bien et que vous avez le virus, après, c'est à vous deux. C'est votre choix. Si, mais moi, je ne porte pas la poisse ou quoi dire que c'est juste que le mieux quand il y a du monde, c'est le conseil que j'ai à dire dans ma vidéo, dans ma chaîne, à tous ceux qui suivent cette vidéo. Quand il y a du monde, quand c'est rempli et tout, que vous êtes serré et tout ça, mettez le masque, c'est tout simple. C'est vrai que c'est chiant, ça gêne et tout. Moi j'ai mon masque qui est, comme vous allez voir dans la vidéo, qui est bleu, j'ai celui-là, bon j'en ai un noir, j'en ai un autre avec des chaînes et tout, bon, j'ai toutes sortes de masques, c'est tout simple. On met le masque tranquillement et on sort quand il y a du monde. Après, s'il n'y a personne, c'est normal. Si tu n'en mets pas, c'est pas grave. S'il n'y a personne, tu vas pas avoir le virus. Mais si quand il y a du monde, c'est logique de mettre le masque. C'est un geste très simple à faire. Regardez, vous mettez le masque tranquillement. Regardez, moi, je mets le masque et puis tranquillement. Une fois que vous allez mettre le masque, c'est vrai que ça gêne pour parler. On n'entend pas très bien tout. Mais bon, voilà, c'est juste ce message que j'avais à vous dire. Que franchement, moi ça m'a fait peur de quand j'ai vu tout ce monde qui n'a pas de masque. Je me suis dit, mais peut-être que je me suis trompé, peut-être qu'il n'y a pas de virus, peut-être qu'il n'y a rien. Enfin, bref, voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est juste que voilà, j'ai vu des gens, ils m'ont repéré même. J'ai vraiment vu ça, que ça m'a choqué. Et c'était vraiment plein de gens. Il y avait quelques gens qui avaient le masque, c'était bien, mais des gens qui n'avaient pas de masque. Aujourd'hui, l'épidémie elle est toujours là et nous guette. Alors, il suffit juste qu'on ne s'est pas lavé les mains ou que, par exemple, on a croisé quelqu'un qui vous a toussé dessus, qui vous a posté sans faire exprès, etc. et que vous avez le virus. Après, c'est une protection comme tous les autres. Hein. C'est une petite protection naturelle qu'il y a à faire pour le moment que le virus est là. Après, quand le virus va partir, c'est pas un problème. Mais après, quand il y a du monde, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand il y a du monde, protégez-vous. Après, faites ce que vous voulez. Si vous dites que vous insultez les gens qui ont des masques, vous dites ah, c'est fini, tout ça, ça. Chacun est libre à faire ce qu'il veut. Mais moi, j'étais choqué. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, je me protège. Et je protège mon entourage, ma famille, tout ce que je vois. Et puis, je prends bien les précautions. Bon, je vous laisse regarder le feu d'artifice. Il était vraiment très, très bien. Mais vraiment, j'ai pas voulu filmer les gens parce qu'il n'y avait pas de masque. J'étais un peu... ça m'a dépassé en fait, ça m'a dépassé. Voilà, je vous laisse regarder juste le feu d'artifice. Il était bien avec des couleurs, mais ça va, je pense que j'ai bien filmé. J'ai essayé de me rattraper par rapport au feu d'artifice que j'avais filmé un temps de... C'était le réveillon, je crois que c'était le réveillon 2018, je pense que j'ai... 2019, un truc comme ça, ouais. Et j'avais filmé un feu d'artifice, si vous vous rappelez bien, si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez retrouver cette vidéo. Et bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, l'épidémie est toujours là les amis. Un gros conseil que j'ai à vous donner, c'est quand il y a du monde, mettez le masque. Après, quand vous êtes dans votre voiture tout seul, parce que je vois des gens qui sont dans leur voiture tout seul et qui se confinent, qui mettent leur masque et tout bas. Je pense que c'est quand même utile, mais pour moi, de ma part, c'est pas utile parce que après, c'est vrai que quand il y en a qui disent que quand tu mets la clim, oui, l'air va passer. Mais bon, moi je crois pas trop à ça. Moi je pense que bon, la voiture il y a un crâne, tu roules tranquille. Et si t'as personne dans ta voiture, pourquoi tu vas mettre des masques? Eh oui, c'est ça. Après, s'il y a du monde et tout, ben, ouais, c'est normal, tu mets le masque. Mais bon, quand t'es tout seul, tu mets, au pire, tu mets pas la clim. Si t'as la clim, tu la mets et tu la mets pas très fort. Et puis voilà. Mais je pense que franchement, le mieux c'est de se protéger. Donc ce virus là, il nous guette toujours là. Alors si on veut pas caler, mourir très vite et très jeune, etc. Quant à toutes les personnes âgées, ça c'est obligé, il ne faut pas oublier de mettre le masque tout le temps que vous sortez, faire les courses n'importe où, mettez tout le temps le masque. Et les personnes jeunes, et n'importe qui, mettez toujours le masque. Mais le plus, c'est quand il y a du monde, quand il n'y a personne. C'est pas grave si vous ne mettez pas le masque s'il n'y a personne. Si vous allez dans un magasin qu'il n'y a personne, vous allez attraper le virus comment? Par les mains, si par exemple vous touchez les choses. Donc peut-être que mieux de se laver les mains et puis tout simplement. Et puis, je pense que ça sera le mieux pour vous.
Bon, je vous laisse regarder le feu d'artifice et n'oubliez pas de regarder et de commenter si le feu d'artifice vous a plu. Likez la vidéo, les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo assez vite, si c'est possible. Allez.
Parlez, moi je mets la musique, moi. La musique, ça va faire bien.
comme vous avez vu, le feu d'artifice, il était pas mal. Franchement, moi, j'ai aimé. Ce que j'étais un peu déçu dans ce feu d'artifice, c'est qu'en fait, à la fin, d'habitude, moi, j'aime bien quand ça donne, ça pète bien fort à la fin, qu'il y a des feux d'artifice, en fait, que ça, des pétards dans l'air qui pète bien fort. Mais là, c'était pas ce que j'ai pensé, en fait. C'est ce qui m'a un peu déçu. La fin, elle était un peu cool, un peu trop cool même, je pense, un peu trop douce. Parce que d'habitude, toutes les fins des feux d'artifice que je connais, d'habitude, c'est des fins là où ça tape fort et on sait que vraiment là, c'est fini. Et là, il n'y avait pas ça. C'est ça que j'ai pas vu qui manquait dans ce feu d'artifice. Mais à part ça, je pense que les couleurs étaient bien. Bon, on connaît les couleurs des feux d'artifice et c'était pas mal. Moi, je pense que j'ai passé quand même une bonne soirée à part ça. À part que je voyais les gens qui n'étaient pas masqués et tout ça, c'est pas ça qui m'a fait passer une mauvaise soirée. J'ai passé une très bonne soirée. C'était génial, franchement. Ça, les couleurs m'ont plu et l'emplacement là où était fait le feu d'artifice était pas mal. C'était dans un petit parking, pas mal. Franchement, c'était bien. C'est peut-être à refaire un autre feu d'artifice, peut-être mieux, mais on va dire que celui-là il est pas mal. Allez, salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et avant de finir la vidéo, évidemment les amis, pour finir la vidéo, je fais les dédicaces puisqu'il y a certaines personnes qui me demandent des dédicaces spéciales à faire à quand la vidéo est finie. Excusez-moi, je suis un peu perturbé quand je parle. Voilà, et pour finir cette vidéo, je vais faire une grosse dédicace à tous les amis que je connais. Je précise bien les noms parce qu'il y en a, ils attendent que je leur dise leur nom, évidemment, parce que... Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une dédicace à la prochaine vidéo. Vous m'envoyez juste un message sur cette vidéo en commentaire pour que la prochaine vidéo, je pense à vous et que je fasse votre dédicace à votre nom, à vous-même. Aujourd'hui, je fais la dédicace à ce mercredi à Dan, en commençant par un monsieur Dan qui se reconnaît très bien. Je fais une dédicace à monsieur Dan. Et sa copine Sarah et à Sylvain, les trois Sylvains qui se reconnaissent, qui regardent mes vidéos, Sylvain et puis Gwendoline, et une dédicace à tous les amis qui sont toujours souvent autour de moi avec qui j'aime bien rigoler, que ce soit au travail, au quotidien, etc. Tout ça. Une dédicace aussi à Samy et à son filleul. Je ne me rappelle même plus c'est quoi son nom, c'est Jouad. Enfin, j'ai dû sûrement mal le dire, je sais pas, je pense que je l'ai bien dit. Tu me diras par commentaire si je l'ai bien dit, Jouad. Une dédicace à Ayette, une dédicace à Philippe, une dédicace à tous ceux avec qui j'ai rigolé aujourd'hui, au travail, à tous ceux qui se reconnaîtront, tous les personnes que je côtoie souvent, avec Ayette, Philippe, comment elle s'appelle, Émilie. Une dédicace il y a souvent des noms que j'arrive pas à, qui me revient pas par la tête, mais bon, n'hésitez pas à me dire par commentaire pour la prochaine vidéo, comme ça je n'oublierai pas. Et une dédicace à qui que j'aurais pu oublier. Il y a toujours quelqu'un que j'ai oublié quand je fais des dédicaces. Et quand j'ai fini la vidéo, que je regarde ma vidéo, je me dis mince, j'ai oublié cette personne. Mais bon, n'hésitez pas à ceux que j'ai oublié de marquer votre dédicace dans cette vidéo. Comme ça, dans la prochaine vidéo, je vous fais votre dédicace, les amis. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Prenez bien soin de vous et faites attention. Le virus est toujours là et il nous guette. Il est là, il nous guette, le virus. Il est bien là, il nous guette. Alors n'hésitez pas. Allez faire vos courses avec votre masque. Quand il y a du monde, allez travailler avec le masque. Quand c'est pas possible de rester moins de 2 mètres de distance ou 1 mètre de distance, protégez-vous bien pour plus vivre, les amis, parce que c'est important de vivre et de passer une bonne été. Moi, j'ai passé un très bon week-end de 14 juillet, malgré. Comme vous connaissez, l'épidémie ne nous a pas dérangé, on a pu passer un bon 14 juillet. Et puis voilà, je ne veux pas trop parler blablabla. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, les amis. Salut!